Bonjour les petits Carlaxiens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ah, ça sonne à la porte, lutin de herbe. Bon, bah, c'est l'intro de la vidéo. On va quand même finir l'intro et après on va aller faire l'accueil des clients de la chambre. Alors, l'intro c'est, vous savez pas quoi faire de votre bouquet de Saint-Valentin, on va vous montrer quoi faire. Comment faire des boutures. Des boutures. Comme ça, on ne gaspille pas les fleurs que Allah nous a fait. Voilà, à tout à l'heure. Avant que nous soyons coupés par le tintin. Vous savez quand ça sonne là? Bon, alors regardez. Là, on a des roses. Des roses rouges, des roses blanches. Et alors, avec ces roses, on va aller faire des boutures. Alors, au passage, admirez ce vase magnifique qui a été imprimé avec une imprimante 3D. Vase que vous pouvez retrouver sur le site LV3D officiel. Allez, on descend en bas. Ouais. Est-ce qu'on peut descendre en haut, Ryan? Ben, en haut, il y a la chambre en haut, mais il vaut mieux aller en bas. Allez, on y va. Ouais. Suivez-nous, on va dans le jardin. Des plaisirs de se retrouver dans la nature. Et puis oui, c'est le printemps qui arrive. Donc, vous allez retrouver sur la chaîne de Carlaxi les vidéos potagers. Copain Ingé, on l'a déjà fait. Bonjour à Philippe Roy, au passage. Et puis, les vidéos carlaxiennes. Donc, regardez, ce bouquet, il était plutôt joli, plutôt magnifique. Pour faire les boutures, il nous faut un piquet. Moi, j'ai choisi ce magnifique piquet de parasol. Voilà, vous allez voir, c'est très pratique. Et normalement, il nous faut un petit garçon de 8 ans qui est censé aller me chercher un arrosoir. Voilà, bravo. Congratulations, un arrosoir d'eau. Et un sécateur. Et regardez la bouture que j'ai faite. Ça, c'est une bouture qui a été faite hier. Voilà, je vous la montre. Voilà, regardez. Voilà. En plus, c'est commencé à fleurir. Tu vas aller couper ici, là. Là, non, au-dessus là. De là où ça fleurit, là, coupe sec, là. Vas-y, voilà, et là tu vas couper ici aussi, là, voilà, au-dessus du nœud. Attends. Allez, un coup sec, non, t'as pas pris le bon matériel alors, ah, ma pauvre mère dirait, les mauvais ouvriers ont toujours les mauvais outils, oui, parce que j'avais une mère qui me dévalorisait en permanence. D'ailleurs, on se parle plus. Hein. Maman, si tu me regardes, j'ai réussi ma vie, je suis heureux. Est-ce que vous aimez ma coupe? Parce que moi, là... Est-ce que vous aimez sa coupe de cheveux? Voilà, ça le travaille beaucoup. Parce que ouais. Demain, il y a école, donc voilà. Non, ne dévalorisez pas les enfants. Voilà, je vous le dis. Ne dévalorisez jamais vos enfants. Alors, est-ce que tu as mis de l'eau là-dedans? Non. Allez, on va mettre de l'eau là-dedans et on va vous montrer comment on fait des boutures. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est facile. Vous plantez, voilà. Voilà. Bon, mais il faut faire un gros trou. Hein. Faut faire un gros trou. Comme ça, la racine peut s'habituer à son état naturel. Bien sûr. Mais ouais. Et regardez, Ryan va couper l'eau juste au bon moment. Bravo, Ryan, quel talent. Vite, coupe, mais coupe, mais putain de merde. Mais coupe, c'est très lourd. Mais coupe. Punaise, faites des gosses. Regardez, on a bien dégagé ici. Ouais. On va pouvoir mettre de la bouture ici aussi. On va en mettre là. Ah, il y avait une liane très envahissante. Voilà. Alors, pour faire une bouture, déjà, il faut commencer par faire un trou. Le principal. Hein. Le principal. Là, on plante ça ici. Est-ce que tu peux aller me chercher un marteau, s'il te plaît, Ryan? Ou sinon, on va faire la méthode papa. Tiens, filme pour que je puisse montrer. Je ne mets pas les doigts devant. Non. Tu filmes. On y va. Méthode papa. C'est un peu bête, mais... Ta, 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 ta. Là, on voit bien la force de papa. C'est bon, il a bien planté, vous pouvez voir. Voilà. Il faut un papa fort. Ouais. Bon, tu filmes toujours? Ouais. Bon, bouture de rose blanche. Voilà, elle est là. Elle est là, vous la voyez. Elle est belle. Vous regardez d'ailleurs, elle a commencé à germer ici, là. Donc on va couper ici. Hop. Coup voilà. Sec. Là, on recoupe en biais. Hop. Vous voyez, on est bien en biais. Voilà. Ensuite, on va les mettre là, jusque là. Voilà. Là, là, là. Voilà. Là. Là. Voilà. Ça, c'est rosier blanc, mais je vous montrerai. Hein. La suite. Voilà, l'eau. On va la mettre ici. Voilà. Bon, ben, on continue. Ouais, on continue. On continue. Bon, c'est au tour de Ryan. Il va nous montrer comment on fait. Alors. On va lui mettre le pot ici. Non, j'ai peur que ça tombe en marre. Voilà, tu te débrouilles. Alors, tu nous fais une bouture de quoi? On va commencer par la petite rose. Allez, je te filme. Alors, allez les abonnés, on va...
tout ça, on peut le couper. Tu coupes toujours au-dessus du nœud. Là, tu vas couper ici. Là? Non, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, ici. Voilà. Coup sec, les abonnés. Ici, tu coupes en biais. En biais. En biais. Tu recoupes en biais. Plus haut, plus haut. Là, ici, voilà. En dessous du nœud. Voilà. Et après, ensuite, tu vas aller faire ton trou. Est-ce qu'il faut que papa le fasse? Je vais le faire ici, hein, au milieu. Fais voir. Là, là. Non, c'est à peu près. Ouais, t'as raison. Tu peux enlever cet arbre. Voilà, donc tu vas le faire ici. Ouais. Ça, c'est poubelle. Ici, là. Ici. Voilà. Ça, c'était Ruby, complètement folle. Elle vient de passer telle une panthère. Donc, allez, voilà. Plante. On va la mettre tout au fond. Non, pas trop au fond. Là, encore. Descends, descends. Pour qu'il y ait une bonne partie enterrée, mais pas tout quand même. Voilà. Là. Et ensuite, on arrose. Ouais. L'arrosoir est où? Derrière toi. Bon, je me suis fait mal en faisant le trou. Je vous montre. Voilà. Ça m'a bien fait mal, hein. Ah, ça, c'est très grave. Et quand je me fais mal, qu'est-ce que Ryan y dit? Dis aux abonnés. Cher. Cher, voilà. Je trouve ça drôle. Mais toi aussi, tu m'as déjà dit. Non, jamais je le ferai. Allez, maintenant. Allez, arrose. Voilà. 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 Donc, on y va. Faut bien que ça soit en boue. Là. Encore de l'eau? Eh bien, oui, c'est la boue qui tasse le truc. Là. Là. Ruby, fais attention. Elle, voilà. Elle, allez, on continue. Sauter, coucou Ruby, ne saute pas. Ruby. Ruby. Oh, elle est folle. Oh, punaise. Oh là là. Continuez ces boutures de rosier, vous avez vu. Très simple, on fait un gros trou. Moi, j'utilise le manche comme ça et je tourne. Et on coupe la rose en biais au-dessus du nœud. Et dans la terre. Et après, on recoupe en haut, au-dessus du nœud aussi. Vous allez voir, ça va bourgeonner. Et ça va être magnifique. C'est comme ça qu'on fait les rosiers. Bah ouais, c'est pas compliqué. Hein. On continue ou pas? Ouais, on continue. Allez, on continue. Bon, quoi, c'est le cinquième. Oh, c'est pas très compliqué. Disons qu'il faut vraiment penser à bien les arroser, quoi. Et alors, c'est la bonne période parce que c'est le printemps. C'est le printemps, donc va l'avoir. C'est la fin des gelées. On espère qu'il n'y aura pas d'autres gelées. Tu vois, là, on peut faire une bouture aussi de ça. Ça, c'est quoi? Un forsythia. On peut faire des boutures de plein de choses, en fait. Il suffit de couper en biais, de mettre dans de l'eau avec de la boue. Oui, mais parle-nous ça. Le petit tuyau, c'est que vous pouvez arroser avec du pipi mélangé avec de l'eau. Ça, c'est vraiment très, très bon. Et c'est vraiment un concentré d'engrais. Du pipi normal. Des pipi dans une bouteille, et voilà. Eh bien, il vaut mieux faire pipi. On le fera tout à l'heure, l'arrosage, d'accord? Allez, on continue? Ouais. C'est quoi ce filmage là? C'est comme un vrai gosse. Hein. Bon, allez, ouais. On finit. Alors, pour être sûr qu'il y ait vraiment de l'humidité, moi ce que je fais, c'est que je mets des feuilles mortes comme ça, vous voyez, un petit peu autour comme ça. Comme ça, ça va bien faire de l'humidité. Et là, on est sûr que les boutures, elles prennent. Là, on va en mettre une autre. Donc, bien sûr, je prépare son petit coin. Et ça, ça va aller là-bas. Reculez, caméraman, s'il vous plaît. Voilà. Là. Là. Là, voilà, pauvre plante. Une autre. Là, on va en mettre deux autres. Là. Voilà, comme ça, vraiment tout ce qu'on a. Et bien, l'autre rose, tu pourrais le mettre sur le trou de serpent qu'on a vu. Non, 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 non. Arrière, arrière. On s'applique quand on filme. Hein. Pas de mauvais travail avec moi. Ouais, ouais, c'est ça. Tu racontes toujours ça après, t'es un trouillard. Ryan. La vérité, après il dit non, non, j'ai peur. Arrière, tu vois bien que je filme ici. Est-ce que j'arriverai à faire quelque chose de toi? Je me demande. Ouh là là. Là, et là après. Là-bas. On va prendre ça. Là. Donc c'est très important de bien mettre. Tu ne pouvais pas te reculer pour faire un plan qu'on voit en train de travailler? Oh là là. Heureusement qu'on n'est pas sur TikTok. Hein. Les abonnés de YouTube, tu leur donnes de la merde, c'est pas grave. Non, je vous aime les abonnés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de rageux sur YouTube, mais ça fait tellement longtemps que vous nous suivez, les rageux. Allez, on est là pour les gentils. Voilà, vous voyez là ce qu'on fait. Ça, c'est important parce que vraiment, ça va permettre de tenir de l'humidité pour les fois où, par exemple, on aura oublié d'arroser, par exemple. Voilà, et on a mis les deux trous ici.
Donc on va aller refaire. C'est drôle, les abonnés, regardez. Ici. Voilà. Allez, la dernière bouture. C'est même pas la dernière. La avant-dernière. Ouais. Non, il y en a trois. Donc arrière, ah ouais. Arrière, grand-père. Voilà. Alors on a fait pareil avec le gestophile. Vous savez ce que c'est le gestophile dans les bouquets de roses de Saint-Valentin? Il y a toujours, ils appellent ça du feuillage blanc. Donc on a fait pareil, voilà. Du gestophile, il y en a ici. Pareil, bon, on a coupé à la bouture. Hop, on arrête de faire le con. Là, on peut faire une bouture aussi avec ça. Du gestophile. On va voir ce que ça donne. Il y en a qui font la guerre en Ukraine. C'est très triste. Bah, nous, on plante des roses. Voilà, c'est comme ça chez Carlaxy. Alors le gestophile, c'est pareil, on va aller couper au-dessus du nœud. C'est le principe de la bouture, voilà une première bouture. Je sais pas si ça va prendre, franchement les abonnés, j'ai jamais fait. Mais regardez, on est des petits malins, on va aller directement le mettre dans la boue et puis ben... En fait c'est juste à côté de la rose. Voilà, juste à côté de la rose, il y a sa garniture. Et puis, hey, comme on dit hein. Comme on dit, les abonnés, Inch'Allah, on verra bien. Si Dieu veut, ça poussera. Eh ouais. Bon, t'as des boutures à faire? Il y en a d'autres, ouais, on va finir. Ouais. Hey Ryan. Ben, j'ai pris une bouteille de pipi que Karl a fait pipi dedans. Voilà, donc le secret, c'est le pipi. Le pipi, du pipi humain, hein. C'est pas la honte. Le pipi humain qu'on va aller mélanger avec de l'eau et on va aller arroser toutes les boutures ici présentes. Allez, ouvre ton pipi. Le tien, je le mets dedans. Mets le pipi dedans. Tout. Pas sur l'anse, hein, j'ai pas envie de toucher du pipi. Voilà, donc diluer avec de l'eau. Ça, je peux vous dire que ça fait un engrais extraordinaire. Voilà, t'es content, monsieur? Et là, après, on va aller arroser tout ça. Pipi et eau, c'est vraiment le secret magique. Je peux vous dire qu'on va avoir des roses magnifiques. Abonnez-vous à la chaîne de Carlaxy, vous allez voir. De ma chaîne YouTube. Voilà. Voilà. Ah, il n'y en a pas assez, il faudrait que tu ailles me rechercher une bouteille de pipi, mon chéri, s'il te plaît. Ouais, vous avez compris, l'urine est un engrais naturel. L'année dernière, vous avez vu qu'on peut l'utiliser pour les tomates, mais pas que, je vous avais donné plein de petites astuces. Et bien, il faut savoir que pour les boutures, une bouteille d'un litre de pipi mélangée à un demi arrosoir comme ça d'eau, ça fait un engrais extraordinaire. Et je peux vous dire que les boutures, elles vont être juste géniales. Le pipi de mon papa, on va le verser. Voilà. Allez, on verse tout, hein. Ouais. Un engrais naturel. Maintenant, quand vous avez un bouquet de Saint-Valentin et que ça fait une semaine que c'est passé et que vous avez récupéré le bouquet, vous savez quoi faire des boutures. Et, Inch'Allah, vous aurez des rosiers. Restez bien connectés sur la chaîne de Carlaxy, on vous montrera la suite. Pour le vase, vous avez vu que c'était de l'impression 3D. Je vous invite à aller voir la vidéo impression 3D. Et puis le vase est aussi en vente sur le site internet LV3D officiel. Oui, donc n'hésitez pas à aller voir. Ryan, quand tu n'as rien à dire, tu te tais. Oui, maintenant, tu peux parler. Tu as quelque chose d'intelligent à dire? Ben, en fait, comme il est déjà en vente, ben, pourquoi tu l'utilises? Ça, c'est un vase que j'ai offert à ta mère. Bon, un maximum de likes. À bientôt sur la chaîne de Carlaxy. Abonnez-vous. Mettez des commentaires, ça ferait plaisir. Sur ma chaîne. Ciao. Ciao. Laissez-moi vivre ma vie.